Le fitting, c'est un passage qui permet à un client ou une cliente de déterminer quel est le meilleur réglage pour que la personne joue au golf. Et après, choisir les clubs qui sont présents dans le magasin, et bien évidemment, plus il y en a, mieux c'est. Et aujourd'hui, chez Golf Plus, il y a tout ce qu'on peut trouver dans un très bon magasin de golf. C'est même voilà, le top. Un peu plus à gauche tout de suite. Pour être fitter, il faut faire preuve d'une très grande écoute, parce qu'il faut bien écouter l'histoire des gens qui viennent nous voir. Il faut une connaissance livresque qui est liée aux composants du matériel de golf, c'est-à-dire les grips, les shafts et les têtes. Et il faut connaître la balistique golfique aussi et son optimisation. Tu en sais, j'ai un peu du mal. Ah bon? Ouais. Séance de fitting globale, ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire que la personne vient me voir et ça commence par un échange parce que j'ai besoin de comprendre quel golfeur ou quelle golfeuse vient me voir. Donc après cette phase d'écoute où je vais poser un certain nombre de questions qui seront des questions assez clés pour moi, qui vont permettre déjà de rentrer dans le diagnostic, et bien cette phase d'échange, ça dure à peu près une quinzaine de minutes. La phase suivante, c'est une phase qui consiste pour moi à prendre ou à noter toutes les nomenclatures techniques des clubs du sac de golf de la personne qui vient me voir. Donc la phase numéro 2, donc c'est une prise d'information globale. Et la phase numéro 3 est très liée à la phase numéro 2, puisque ce qui m'intéresse dans la phase numéro 3, au moment où je vais faire taper la personne dans un simulateur et devant un GC2, donc devant un analyseur balistique, ça va me permettre de vérifier quelles sont les trajectoires qui sont produites par la personne qui joue les clubs qu'il joue. Et c'est après cette phase 3, et après avoir constaté les différences des balistiques produites par la personne avec ses propres clubs, que je vais pouvoir, grâce à mon expérience et grâce aux connaissances que j'ai sur les shafts, qui est importante, ça va me permettre de déterminer un diagnostic et un profil de shaft et un réglage de montage de club particulier pour optimiser ce que la personne fait actuellement, et qui par conséquent l'a poussé à venir me voir pour l'optimiser. Mais ta canne comme ça, là, en balistique, en sortie de balle, ça va créer des variations. Oui, bien sûr. Et François Magne, c'est quelqu'un qui a été sur le Tour européen, donc il a une expérience énorme, il a fité les plus grands. Donc voilà, c'est une chance pour moi de pouvoir bénéficier de son service. Il a un matériel qui est très rare en Europe, tout ce qui est la machine à fréquence, etc. Et ça, c'est une chance énorme pour moi, et il n'y a personne déjà en France pour pouvoir faire du fitting comme ça. Déjà, le fitting pour n'importe quel joueur, c'est hyper important. Ça permet d'avoir les clubs les plus parfaits possibles et adaptés aux joueurs. Donc déjà, ça, c'est énorme. Et puis en plus, avec toute l'expérience de François, il n'y a pas mieux. Clairement, il n'y a pas mieux.